Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Metagro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présentation de l'aliment en phase de démarrage chez les poulets, que ce soit chez les poulets de chair ou chez les pondeuses. Parce qu'en fait, j'ai eu un client, plusieurs clients, en fait, c'est une interrogation qui revient toujours. Mais qu'est-ce que vous conseillez pour la forme de présentation de l'aliment? Est-ce qu'il y a des limites par rapport à chaque forme? Je vous rappelle déjà qu'ici, vous êtes sur la chaîne YouTube du cabinet Vétagro. Je vous souhaite donc la bienvenue. Ici, nous parlons de l'agro-pastoral. Nous décortiquons ce secteur. Alors, si vous avez des zones d'ombre ou des préoccupations, laissez-les nous en commentaire ou par une de nos messageries privées. Et sachez également que pour permettre que ce secteur se développe, nous travaillons ensemble avec vous. Et nous vous offrons donc des consultations, des audits d'élevage, des formations et bien d'autres services. Rapprochez-vous juste de nous. Nous sommes situés à Douala, au quartier Yassa et à Yaoundé, au quartier Nguesso. Rapprochez-vous juste de nous pour que nous puissions échanger sur vos différents projets. Alors aujourd'hui, donc, comme je disais tantôt, on va parler des présentations de l'aliment chez les poulets en phase de démarrage. Nous avons deux grandes présentations. Nous avons la farine, dont l'aliment présenté sous forme de farine. Nous avons l'aliment présenté sous forme de granulé. Si vous avez donc opté pour utiliser la farine, quels sont donc les paramètres que vous devez prendre en compte? Il y a d'abord la taille des particules et l'uniformité des particules. Parce qu'en fait, vous savez que la poule de nature est un granivore. Qui dit granivore parle donc de graines. Donc si vous faites votre aliment, si vous décidez de faire l'aliment en farine et que dans cet aliment, vous avez, je vais prendre l'exemple pour qu'on se comprenne, le maïs est concassé en deux. Quand la poule vient, elle commence par picorer les grosses particules. Et vous savez que dans un lot, il y a toujours les plus forts, il y a les plus faibles. Donc quand les plus forts arrivent au niveau de la mangeoire, ils prennent d'abord les gros. Et nous sommes d'accord que le maïs seul, bon, je prends l'exemple du maïs, le maïs seul ne peut pas couvrir tous les besoins d'un animal. Parce qu'en fait, un animal a besoin d'énergie, de protéines, de vitamines, pardon, de ces minéraux, d'eau. Donc, en fait, ça, ce sont les besoins basiques, les besoins importants dont a donc besoin une poule. Donc, nous sommes donc d'accord que si la poule vient et elle ne prend que du maïs, elle ne peut pas couvrir ses besoins. Alors, nous pouvons donc enregistrer soit un retard de croissance. Nous pouvons enregistrer l'hétérogénéité de la bande. Si nous sommes en élevage de poulets de chair, si nous voyons un peu plus loin, à la fin de notre bande, à coup sûr, nous enregistrerons des pertes. Parce qu'après, il va falloir rattraper ceux qui ont eu le retard de croissance avant de les mettre sur le marché et tout. Donc, en fait, quand vous décidez donc de faire l'aliment en farine, prenez donc en compte la taille et l'uniformité des particules. Mais maintenant, puisque c'est de la farine, et vous savez que les poulets, ils aiment fouiller, ils aiment fouiller. Et lorsque c'est la farine, c'est facile de fouiller et de verser. Là, je viens au niveau du gaspillage. Lorsque l'aliment est en farine, le gaspillage est plus prononcé. Donc, quand la poule fouille, elle verse une bonne partie. Donc, si vous optez donc pour faire l'aliment en farine, prenez donc en compte ces deux grands paramètres. Il en existe plusieurs, mais ces deux sont très fondamentaux. Donc prenez-les en compte. Mais maintenant, si vous, parce qu'il y a des éleveurs qui disent que ils n'ont bon, en fait, vous n'avez pas peut-être une machine pour faire de l'aliment granulé. Donc si vous décidez d'utiliser des granulés, c'est l'aliment importé. Mais maintenant, l'autre limite, c'est que vous n'êtes pas très sûr de la qualité des matières premières qui ont été utilisées parce que vous n'étiez pas là. Pourtant, lorsque vous avez opté pour votre farine, que vous-même vous utilisez, vous êtes sûr de la qualité des matières premières et vous êtes sûr du taux d'incorporation de chaque ingrédient dans l'aliment que vous tournez, ce qui n'est pas toujours vérifié sur l'aliment importé. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Bon, maintenant, si vous décidez donc d'opter pour les granulés, l'avantage avec les granulés, c'est que un granulé que vous voyez contient tous les ingrédients, alors touche tous les besoins d'un animal, d'un poulet, d'un poussin. Donc, lorsque vous avez les granulés, vous êtes sûr
de couvrir les besoins de vos animaux, quelle que soit la quantité d'aliments consommés. Et maintenant, il n'y aura plus une histoire de le plus fort va prendre les graines et le plus faible va manger la farine, dont les ingrédients restants en ont. Donc, tous les animaux auront donc accès à tous les ingrédients, donc pourront donc satisfaire tous leurs besoins. Là, c'est quand vous décidez donc d'utiliser les granulés. Et puisque les granulés ont un certain poids, donc pendant lorsque la poule va essayer de fouiller, ce ne sera pas aussi évident pour elle de transporter des grains hors du plateau. Donc, le gaspillage est moins. Donc, lorsque vous décidez donc d'utiliser les granulés, vous avez donc un bon indice de consommation, vous avez un bon taux de croissance et l'homogénéité de votre bande est acceptable, en fait, elle est appréciable, je vous l'ai dit. Donc, si jamais vous pouvez avoir une machine qui vous permet de faire des granulés, n'hésitez pas. Parce que vous savez en fait que la période de croissance, je pense que nous l'avons déjà dit dans plusieurs vidéos, la période de croissance est la période primordiale lorsque vous lancez une bande. Parce qu'en fait, le poussin, il est comme l'enfant. C'est la période déterminante de sa vie. Vous voyez, un enfant, un bébé, toutes les attentions sont sur lui. Parce que tout échec, toute erreur enregistrée pendant cette période peut être capitale, peut entraîner des conséquences irréversibles. C'est pareil pour le poussin qui a une durée de vie courte. Donc, vous voyez que vous ne pourriez peut-être pas rattraper, le plus de temps possible, en fait. Rattraper ce que vous avez enregistré pendant la période de prédémarrage. Donc, c'est donc une période où vous devez franchement être très observateur pour vos sujets et vraiment bien choisir quoi mettre à la disposition de vos sujets. Et maintenant, je vais faire une petite parenthèse parce que sachez également que les dispositifs que vous utilisez, les équipements que vous utilisez jouent aussi un grand rôle. Ça n'entre pas dans le titre de cette vidéo, mais si vous utilisez les granulés et que les plateaux sont percés, les animaux, il y aura gaspillage, les animaux ne vont pas s'alimenter. Donc, c'est pour ça que je faisais donc une parenthèse. Mais je profite aussi de cette occasion pour vous dire que chez Vette Agro, vous avez dans le matériel d'élevage de qualité, que ce soit les plateaux, dans les mangeoires premier âge, que ce soit les abreuvoirs très solides et qui vous permettent de garder une eau saine. Nos abreuvoirs manuels vous garantissent quand même une eau saine parce qu'en fait, elle ne peut pas être très saine avec la manipulation des employés et tout. Mais les animaux n'ont pas vraiment accès à cette eau pour la salir, mais ils peuvent très bien s'abreuver. Et ces abreuvoirs sont très durables. Alors, vous pouvez passer dans nos locaux pour déjà mettre l'œil dessus, pour apprécier la qualité. Et puis, vous repartirez certainement avec un exemplaire. Alors, n'hésitez donc pas de nous contacter pour la réservation de vos poussins. Nous laissons donc le lien de réservation des poussins en bas de chacune de nos vidéos. Donc, vous l'aurez en bas de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas de nous contacter ou de vous faire enregistrer en remplissant le formulaire. Nous vous entendons donc pour des consultations, pour des échanges, pour pour passer la commande de vos poussins, pour l'achat de votre matériel. Alors, ensemble, nous allons donc construire l'Afrique avec la robe pastorale. Je vous dis donc ciao et à la prochaine vidéo.